Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, vous avez vu, j'ai terminé mon défi de broderie. Je remonte un petit peu. J'ai terminé mon défi de broderie. Youpi, depuis plus de 15 ans, qu'il attendait dans un tiroir. Alors, je remercie encore Céline de m'avoir mis ce défi. Ça m'a permis de la terminer, je suis contente. Et aujourd'hui, il a fallu la nettoyer. J'avais les pépettes. Alors, comme ça, les pépettes. Ouah, il y avait les grosses pépettes. Alors, j'ai hésité entre nettoyer dans la machine ou nettoyer à la main. Je dis, je ne vais pas mettre ma machine en route pour une broderie. Hein, soyons écolo. Hein, puis, c'est surtout la facture. La facture d'eau et d'électricité. Et puis, moi, je voyais tout de suite s'il y avait un problème. J'ai quand même demandé, parce que moi, j'en utilise pas. J'avais demandé à ma belle-fille si elle avait les lingettes Décolor Stop, là. Donc, où elle en avait. Donc, elle m'en a passé une. J'ai dit, même pour laver à la main, oh, j'ai quand les biquettes, moi, ça m'énerve. même pour laver à la main, j'ai dit, je vais quand même en mettre une dans l'eau. On sait jamais. Donc, voilà. J'ai fait ma petite tambouille dans le lavabo de la salle de bain avec de la lessive normale. En fin de compte, je voulais aller acheter de la lessive pour lavage délicat. Puis j'ai dit, oh, soyons fous, hein, tant pis, on va faire avec la lessive normale. Mais j'ai pas mis grand chose, hein, j'ai mis un petit fond de bouchon à l'eau tiède. Dans le lavabo, j'ai mis la lingette et j'ai trempé ma broderie en fermant les yeux. J'ai trempé ma broderie et donc j'ai d'abord fait ça. Dit, ça va, ça bouge pas. J'ai refait, ça bouge pas. Alors, allez, on peut y aller. Et j'ai tout de suite vu l'eau qui est devenue pas rouge. Mais noir, enfin pas noir, mais grise. Du jus de chaussette. Mais du jus de chaussette. Oh là là. Elle était sale. Sale. Ça, vous verrez dans la vidéo. Bon, elle n'est pas très longue, hein, la vidéo, bien sûr. Mais surtout la vidéo du lavage. Mais c'était du jus de chaussette. Oh là là. Et du coup, bon ben, ça s'est bien passé. J'ai lavé à la main, j'ai pas frotté comme une malade. Hein. J'ai surtout fait des trempouilles, des mélanges, voilà. Le pli qu'il y avait au milieu, là, vous rappelez, il y avait une trace noire, mais vraiment un trait à cause du pli. C'est super bien parti. Il n'y a plus rien, plus une trace. Alors bon, la toile est restée beige, mais je crois parce que c'était une toile beige. Ça devait être une toile blanc cassé. Donc la couleur est normale. Je ne sais plus sur quoi je l'avais brodée. Bon, vous avez un peu de 15 ans. Au bout d'un moment, des fois, je ne sais plus ce que je fais la veille. Hein. Alors, au bout de 15 ans. Donc, il n'y a pas de souci. Ça a été nickel. Et donc, je l'ai bien rincé aussi à l'eau très tiède, presque froide. Voilà. Là, je l'ai mise un petit peu à sécher. Après, je l'ai mise un petit peu à sécher. Alors, dans une grande serviette éponge, en sandwich, et sur mon radiateur, pour que ça sèche un petit peu plus vite. Et après, le repassage. Voilà. Alors, je ne sais pas si à la fin de cette vidéo, puisque là, je suis en train de faire l'intro, mais je ne sais pas si à l'heure où je vous parle, j'ai trouvé un encadrement. Donc, si j'ai trouvé un encadrement, vous allez voir comment j'ai encadré ma broderie. Si j'ai pas trouvé d'encadrement, ce sera une prochaine vidéo. Donc, vous aurez la surprise là, à la fin de la vidéo, si j'ai encadré ou pas. Parce que là, à l'heure où je vous parle, je n'en sais rien encore.
Voilà. Bon, mais en tout cas, je suis rassurée, ma broderie n'a pas eu de soucis au lavage. Vive les fils DMC. Voilà. Vaut mieux des fois payer. De toute façon, vaut mieux payer un tout petit peu plus cher. C'est vraiment un tout petit peu plus cher hein, parce que les fils, les sous-marques ne sont pas beaucoup moins chers que les DMC. Alors, vaut mieux prendre du fil DMC et être tranquille. Moi, c'est pour ça, quand je ne brode qu'avec du DMC, de toute façon. Bon, sauf là, les broderies que j'ai, des partenariats, les choses comme ça. Bon, là, c'est pas du DMC, hein. Mais bon, justement, on verra quand j'aurai besoin de passer la broderie à l'eau pour enlever toutes les impressions. Là, ce sera aussi une vidéo et on en parlera à ce moment-là. Bon, on n'y est pas encore, hein. Donc voilà, je suis rassurée, la broderie est nickel. Allez, je vous laisse visionner cette petite vidéo ici, après mon blabla. Et je remercie encore Céline de m'avoir mis au défi. Voilà, je suis contente. Bon, j'ai encore des broderies à terminer, hein. Je ferai peut-être une mini vidéo en vous remontrant les broderies que j'ai à terminer. Et puis pourquoi pas me relancer un défi en choisissant celle que vous voulez que je termine. Voilà, pourquoi pas. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous. Thank you.